Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, une vidéo broderie. Je vais vous expliquer. Alors vous savez que j'ai un partenariat avec Cross Stitch et il m'avait envoyé donc mes toiles. Alors ça c'était le petit chien. Alors si je le trouve tout de suite, le voilà. J'ai commencé celui-ci. Comme vous voyez, il fait quand même 61 sur 53, je ne l'ai pas fini tout de suite. Voilà. Alors, j'ai commencé, hein. Voilà. J'ai installé mon cercle et j'ai commencé ma petite broderie. Donc, c'est génial, hein. Alors là, j'ai pas eu un seul problème. Le seul problème que j'ai eu, c'est avec mes yeux et je me suis débrouillée. Voilà. Donc là, je vais attaquer le vert. Le vert, c'est le numéro 40. Je regarde sur ma fiche le 40. Vous voyez, le 40, c'est le numéro 3743. Alors, je vais prendre mes trucs. Alors, 3743, c'est le numéro 40. Je vérifie bien et c'est bien celui-ci. Alors, je sors. Je défais le petit nœud. Voilà. Je prends un bout. Voilà. Je refais. Hop. Que je fasse pas de bêtises, surtout. Parce que vous savez, hein, moi et mes bêtises, souvent, moi. Ça s'est avéré des fois, hein. Donc, vous voyez, regardez, et voilà, j'en prends le deuxième. Et ça va pas. Et c'est normal. Là, voilà. Donc, je vais vérifier celui-là. Donc, je le replace dans le trou. Je le réinstalle. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je préfère réinstaller. Tout est dessus écrit et tout. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est réinstallé. Je peux remettre ça en place. Avec celui que j'ai fait. Comme c'est un, c'est écrit ici, un 14CT. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas. Comme ça, c'est clair. Je sais qu'avec un 14CT, il faut deux brins. Voilà. Donc un 14, c'était, j'enlève, je prends un brin, je prends deux brins si j'y arrive. Parce que là c'est pareil, vous voyez, c'est les yeux qu'il faut, voilà. Mais moi qui n'y vois que là, j'y arrive. Donc bon, hein. Ah, il y a le soleil qui se cache. Voilà, je défais mes deux brins. Pour défaire, moi je me mets sur le côté, hein. Alors, vous faites comme vous voulez. Voilà, voilà. Moi, je trouve que c'est plus facile de l'avoir dans le vide. De temps en temps, comme ça coince, claque, je tire un peu en bas. Donc, voilà un pour une aiguille. Je refais. Je reprends deux brins. Normalement, dans chaque fil, vous avez six brins. Alors, hein, on va y arriver. Voilà. Deux brins et deux brins. Ce qui fera donc en tout, j'ai bien mes six brins, hein, comme c'est prévu. Voilà. Donc, on m'a donné... avec on m'a envoyé avec ça deux aiguilles, donc j'ai trois brins, 1, 2, 3, vous voyez. Bon, donc il y en a un, ben je vais pas le mettre en boule parce qu'autrement ça va pas le faire. Donc je prends, moi j'ai pris un bout de carton que j'avais, hein, de médicaments que j'avais, voilà, et je me suis enroulé ça dessus.
Là, j'enroule. Et une fois que c'est enroulé, je marque le numéro 3743, vu que c'était le 3743. Alors, 3743. Et de l'autre, 3743. Et de l'autre côté, je marque 40, puisque c'est le numéro qui est écrit ici. Ceci, j'ai fabriqué ma petite armoire. Voilà. Ah, normalement, elle n'est pas faite pour bouger. J'ai fabriqué ma petite armoire à broderie. Là, je tire sur ma boîte. Vous voyez, j'ai déjà le 762 qui est dessus. Donc là, je marque dessous le numéro 3743. J'ouvre, c'est les fameuses boîtes qu'on a eues à Action. Hein. J'ouvre ma boîte et je mets ici. Vous voyez, le 762. Et là. Là, et ici, j'ai donc, là j'aurais pu marquer là-dessus, bon, c'est pas grave, j'ai fait les deux bêtises, mais c'est pas bien important, 3743, il est ici. Maintenant, je referme ma boîte, et je la remets dans mon armoire. Vous voyez, dans mon petit armoire, ici, je peux tirer, et j'ai une aiguille, vous voyez, j'ai mis une petite aiguille là. Ça, c'est des aiguilles normales. Ça, c'est pour enfiler aiguille. Ici, sur le côté, j'ai mis les petits ciseaux dans une petite pochette. Et ici, j'ai encore des enfiles aiguilles. Ça, c'est parce que celui-là, il n'a pas été rangé. Vous voyez, hein, quand on met du bazar partout comme moi, hein, voyez, hein, ça, c'est pas bien. Bon. Alors, ça, c'est mes enfiles aiguilles. Voilà. Pareil, avec de la moumoute, vu que j'en avais acheté à Action, hein, bon, voilà. Donc, hop, ça, c'est fait. Hop. Alors, normalement, vous avez vu dessus, je vous ai montré où j'ai mis les aiguilles, normalement, je mets les aiguilles là. Mais, comme je bouge beaucoup actuellement, ça, celle-là, elle va là. J'ai mis dedans. Et dedans, j'ai mis aussi des enfiles aiguilles puisque je n'y vois rien. Voilà. Ça, c'est la peine de le garder. Et voilà. Je me suis trompée. C'est pas du tout celle que je voulais mettre. Mais ça fait rien. Si. C'est bien ça. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous prenez votre fil, vous prenez votre aiguille. Alors, c'est qui vous en, tant mieux, vous enfilez le fil. Moi, j'y vois rien. Donc, je prends mon aiguille, je prends mon enfil aiguille, je mets dedans. C'est rien, c'est mon mari qui s'amuse avec l'aspirateur. Ensuite, je tire et voilà, mon aiguille est enfilée. Voilà. Vous voyez, ça c'est fait. Voilà pour une. Je prends la deuxième. Bah, tant qu'à faire, on m'en a offert. On m'en a mis deux. Donc je prends la deuxième et je fais pareil. Je l'enfile. Comme ça. Quand une, si j'y arrive, même avec un enfil aiguille, j'y arrive pas. Bon, alors, faut le faire quand même. Comme ça, quand une est finie, j'ai pas besoin de recommencer tout ça. Voilà. Ah, ça y est. Voilà. Alors, comme je pars, je vous dis régulièrement, donc j'ai ma petite boîte et je me mets toujours deux enfiles aiguilles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est très fragile
Et il m'est très souvent arrivé, c'est pour ça que quand on les achète, il y en a toujours des tonnes. C'est dans le Bibi Craft hein, que j'ai eu ça. Mais vous voyez, il y a toujours des tonnes de trucs parce que ça se casse régulièrement. Donc je préfère en avoir toujours deux ou trois. Voilà. Autrement, quand je reste à la maison, tout ça, je le mets dans ma petite boîte spéciale là, que j'ai fabriquée. Ça fait petite armoire et je mets dedans. Alors, moi, je vais vous montrer comment moi je fais. Attention, je ne suis pas une spécialiste, je le répète. Ne me tombez pas dessus à bras raccourcis comme certaines fois en m'envoyant un mail en me disant mais oui, mais non, ça ne se fait pas comme ci, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je vous montre comment moi je fais. C'est tout. Voilà. Donc là, ben, je remets dans ma boîte tout bêtement, hein. Je remets mon fil et mon aiguille, une dans ma boîte. Tac. Voilà. Faisons attention de ne pas tout emmêler quand même. Hein. Et voilà. Alors, maintenant, comme ça, ben, moi, je peux faire ma broderie. Alors, comme je n'y vois pas, je me répète, je me suis mis. Voilà, je me suis mis de la luminosité dessous. Comme ça, je vois bien les trous. Et dessus, évidemment, pour dessus, j'ai ma loupe. Et voilà. Vous voyez? Hop, je règle ma loupe. Je règle ça. Et comme ça, je prends mon petit cerceau, comme ça. Et voilà. Je fais ma petite broderie. Alors. C'est toujours au point de croix. Alors, le point de croix, je vous l'apprendrai. Le principal. Ah oui, l'astuce du point de croix, je vous l'apprendrai aussi. Ça, c'est le principal, c'est de garder toujours le même les mêmes diagonales. Voilà. C'est Bon, après, je ne vais pas vous faire passer 3 heures sur mon truc, parce que là, franchement, vous allez dire, elle gonfle, puis vous auriez raison, hein, parce que franchement, c'est un peu fatigant d'avoir toujours quelqu'un qui brode, c'était pas très, très, très intéressant. Alors, ça y est, ça m'aurait étonné. Et voilà, ça, c'est mon problème à moi, c'est que je prends des fils trop grands. Alors, je vais essayer de le raccourcir. Voilà. C'est que j'ai des petits bras, j'ai des petites jambes, je suis toute petite, moi. Donc, voilà. Évidemment, si je dois avoir des grands bras, c'est pas bon, hein. Donc, je vais vous montrer. Ah, vous voyez, ça c'est. Vous voyez pourquoi il faut pas de grand. Alors, ce que vous pouvez faire, hein, c'est le fil que vous avez obtenu, vous pouvez le couper en deux. Hein, c'est plus simple. Hein. Mais bon, je voulais juste vous montrer comme ça comment vous faites pour faire les petites choses, quoi. Hein, c'est tout. Et ça c'est. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben voilà. Voyez. Je parle en même temps. C'est la preuve qu'il ne faut pas parler en même temps. Voyez. Ça, c'est. Bon, je vais vous montrer comment je fais mon point de croix parce que certaines m'ont demandé. Bon, vous voyez, alors là. Attendez. Ouais. Quand je brode, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler en même temps. Et ça, c'est. Voilà. Je repasse dans le même trou parce que j'ai fait une bêtise, vous voyez? Et oui. Et pourtant, ça fait des années que je fais de la broderie, vous voyez? C'est la preuve quand même que on fait de la broderie depuis des années
Et c'est pas pour ça que on risque pas de se tromper. Voilà. Bon. Voilà, ça y est. C'est réparé. Voilà. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est à l'habitude, c'est vrai que je le prends plus petit. J'ai pris tout ça trop gros, moi. C'est trop gros pour moi, tout ça. C'est trop grand. C'est trop grand pour moi. J'ai voulu faire. J'ai voulu faire la grande, mais je suis petite. Voilà. Voilà, vous voyez, tout est défait, c'était juste un petit nœud, mais je vais me le raccourcir parce que autrement je n'y arrive pas. Voilà, donc c'est pas la peine, vous voyez, c'est pas la peine, je n'y arrive pas. Quand c'est trop grand, j'y arrive pas. Alors, j'ai voulu faire la grande devant vous et j'ai voulu dire, ah ouais, moi je suis grande, vous voyez, et puis vous voyez, les bêtises, elles se font comme ça. Bon, après, donc, si vous voulez que je vous montre des points, parce qu'il y a le point de croix, il y a le point, il y a des points, il y a des points différents, etc. Alors, pour le point de croix, il y a des astuces aussi. Donc, vous voyez comment je fais. Mais je vais vous montrer, parce que là, vous voyez rien du tout, hein. Je vais vous montrer différemment avec des choses qui seront plus claires pour vous. Alors, je pose ça. J'éteins ma petite lampe, parce que j'en aurai pas besoin. J'attrape On va dire que la toile, c'est ça. D'accord? Les trous. Viens ici, toi. Voilà. Les petits, tout petits, petits trous qu'il y a dans la toile, on va les transformer en énormes trous. D'accord? Donc, je prends de la laine. Parce que j'ai des énormes trous, donc je prends de la laine. Voilà. Et puis comme ça, je l'ai pris bien rose, comme ça vous la voyez bien. Et voilà, si j'y arrive à la défaire, ça serait bien. Donc, je vais vous montrer le tout bêtement le point de croix, le point de base. Voilà. Donc je prends une aiguille ici. Bon, je prends le petit, je pense pas que ça rentre, mais bon. Oh si, peut-être, si, ça va aller. Je pense que ça va être bon. Oui, voilà. Donc, c'est toujours enrhumé, vous n'ayez des bras. Hein. Alors, moi, je fais un nœud, hein, un nœud normal au bout. Voilà. Alors, il y en a, ils font pas de nœuds, hein, ils font des allers-retours, machin. Moi, je fais un nœud. Alors, je vais en faire plusieurs parce que les... trucs sont plus gros quand même, donc voilà. Et voilà. Voilà. Donc on dit que c'est un nœud parce que vous avez vu la différence de trous quand même, hein. Bon, alors je pique dans un trou tout bêtement. Hein. Je pique dans un trou, je vais en diagonale l'autre et je vais en dessous et je fais comme ça et je vais croiser ici en diagonale. Vous voyez? Donc j'ai mon point de croix. Voilà. Ensuite, le truc à savoir, c'est que je suis partie de gauche, alors non, de droite à gauche. D'accord? Je suis partie dans cette diagonale en premier. Donc il faut toujours, en premier, faire la même diagonale. C'est tout simple, tout bête. Et quand on revient, on fait la seconde par-dessus. Voilà. C'est le truc à savoir, c'est ça.
c'est que si vous partez de droite vers la gauche, vous restez droite vers la gauche. Si vous partez de gauche vers la... Alors, je suis obligé de vous couper, je vous reprends après. Bon, excusez-moi, c'était les démarcheurs, hein, et puis alors là, il y en a un, hein, en ce moment, c'est la fin de l'année. Donc, allez, on continue. Donc, j'étais en train de vous dire, si vous commencez de droite à gauche, vous continuez droite-gauche, d'accord? Donc, moi, comme là, j'ai fini de ce côté, eh bien, je pars d'en bas. Et je fais la diagonale comme ça. Vous voyez? Toujours. Alors, ça y est. Et même là, j'arrive à faire un nœud, vous voyez? Alors, on tire un peu et après, on tire comme ça. Alors, attendez. Je vais faire mieux parce que là, je... Alors, on va enlever ça. On va défaire. Je vais vous montrer mieux que ça. Vous voyez? Allez, hop. Parce que je sens qu'il y en a certaines qui vont me dire, oh, j'ai rien compris, moi. Hein. Alors, on va essayer de faire mieux. Les explications, moi, vous savez, je suis pas, hein, je suis pas prof, hein, moi. Alors, je vais essayer. Alors, on va faire un plus grand. C'est tout simple. Voilà, on va faire un plus grand comme ça. Voilà. Donc, on va dire que les carrés. Oh bah oui, on va dire que le carré il fait ça, voilà. On va pas fermer, puis voilà. On va dire que le carré, c'est un grand carré. Donc je pars de la droite, bien, je pars de la droite, comme ça. Et on va dire que le carré il fait ça, hein. Je pars vers la droite, je vais vers la gauche. Mais en haut, évidemment, toujours en diagonale, hein. Je reviens en bas, ici, et je vais de l'autre côté, ici. Ouais. Et là, donc, j'ai ma croix. Vous voyez? Là, on voit mieux. Voilà, j'ai ma croix. Mon point de croix, il est fait. Comme je suis parti dans cette diagonale-là, que je parte de ce côté ou que je parte de celui-là, hein, si je veux aller de ce côté, je vais partir de celui-là. Allez, si je vais vers ce côté, je vais partir comme ça. Je monte. Ensuite, je vais en bas et je vais de l'autre côté. D'accord? Voilà. Ça, c'est obligé. Par contre, si je vais de l'autre côté, je me suis aperçu que j'ai pas. C'est pas grave, on s'en fout. Si je vais de l'autre côté, c'est toujours ce sens-là qu'il faut. Donc, je viens là. Vous voyez? Je viens là. Je vais par là. Et après, je fais dans l'autre diagonale, car c'est toujours cette diagonale qui sera par-dessus. Vous voyez? Et il faut que toujours ça soit dans ce sens par-dessus pour que ça fasse plus joli. Voilà. Je crois que là, je ne peux pas être plus clair. Hein? Après, je vous donnerai d'autres petites astuces. Voilà. Je vous montrerai d'autres petites choses. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai autre chose. Mais voilà, le point de base, il est tout bête. Hein? Voilà le point de croix. Voilà. Il suffit d'avoir une loupe si vous êtes comme moi, hein, d'avoir une loupe et puis de tâtonner parce que bon, je tâtonne hein, aussi pour trouver le trou des fois hein, parce que les toiles elles sont plus ou moins avec des trous plus ou moins et gros. Donc, bon, si vous voulez commencer, vous pouvez commencer avec ça. Ça y est, avec des trucs en plastique. De Bibicraft, c'est pas. Vous pouvez le faire, hein? Mais si vous voulez vous exercer. Après, pour faire des toiles sur du plastique, c'est pas. Voilà. Hein?
Et là, après, ben voilà, vous pouvez faire vos petites croix. J'ai essayé de vous montrer comme il faut là. Vous voyez, vous avez toujours vos petites croix toujours dans le même sens. C'est plus joli que de l'avoir un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Non. Et alors, pour avoir toujours, moi, ma petite astuce à moi, pour savoir toujours lequel va par-dessus, ici, au crayon à papier, je me fais un petit repère et le sens, il est toujours comme ça par-dessus. Voilà, moi ça c'est mon petit repère à moi. Alors comme c'est au crayon à papier, à un coup de gomme, ça s'en va et on n'en parle plus. Voilà. Alors je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ferai d'autres vidéos si vous voulez, hein. Alors du progrès, de la progression. On fera ensemble, on discutera ensemble. Si vous avez des choses à me demander sur la broderie, vous me le demandez. Si je ne sais pas, je me renseignerai. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, hein? D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous. Et n'oubliez pas, hein, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et ça remonte le moral. Allez, bisous.